Dans même chapitre 100 ans occupation 1, étudiant ira exercer organiser une conférence débat avant de rencontrer société haïtienne histoire, géographie et géologie journée 28 juillet. Y a bien pour yo faire une série projection vidéo sous période présence militaire américaine nan. Étudiant 3e année histoire David Léger a expliqué devant caméra régionale Jean-Louis. Nan ira nous décider pour nous organiser 3 jours série d'activités pour commémorer occupation américaine ça. Jeudi à 27, nous décidons pour nous faire un premier panel, un panel des étudiants, que nous prenons à partir des étudiants qui travaillent sous l'occupation américaine, qui ont fait mémoire sur l'occupation américaine. Et puis à 2h ou 3h, nous avons gagné un panel des professeurs qui a avec nous là. Et puis demain 28, nous prenons un répit, nous allons rencontrer la société haïtienne, histoire de géographie, qui a contourné le pèlerinage sur les lieux historiques, qui rappelait toujours même. Série d'activités, ça, on a rejoint les Avel. Et puis 29, nous comptons organiser une série d'activités socio-culturelles avec des vidéographies sous l'occupation américaine, des films, des projections, des activités comme slam, chant, etc. Nous avons organisé le 29. Nous là pour nous commémorer, centenaire ça, c'est juste pour nous rappeler nous que 28 juillet, mais qui ça qui t'est passé dans le pays là. Nous t'es occupé par l'oncle Sam, mais qui commande tout ça. Donc, comme dans Yéga, nous avons un département histoire qui a formé historien. Donc, historien ça yo, qui sensible avec les événements historiques, décide pour organiser une série de commémorations ça pour centenaire de l'occupation américaine. Donc, c'est plus objectif pour nous revigorer, pas fêter, mais commémorer, songer comment l'occupation américaine non. Il était difficile pour Haïtiens et puis faire comprendre comment passer nous qui va permettre nous corriger le présent. Si nous gardons, d'après les Américains, ils ont venu, ils ont instauré, bon, j'en ai dit, ils ont instauré un gouvernement civil, etc., pour parler avec le gouvernement militaire qui a fait coup d'État, etc. Donc, ils allaient quitter un gouvernement comme ça. Et puis, je dis, est-ce que nous avons dit que nous, même ligne américaine, même philosophie américaine, est-ce que c'est eux qui sont toujours dans la politique là? Nous n'avons pas dit que c'est vrai, comme le gouvernement occupation américaine a toujours fait mandat, est-ce que le gouvernement ça a toujours fait mandat, tout le gouvernement qui suit l'occupation américaine? Nous n'avons pas dit ça, il y a un pile qui n'a pas fini mandat, etc. Et puis, qui l'autre politique qui a mis encore? Éducation, pour faire école agriculture de Damien, pour retirer le système d'éducation par nous, puis venir avec Payo. Bon, je ne vais pas réussir dans ça. Parce que jusqu'à présent, c'est le même système que nous avons gagné avant l'occupation américaine. Nous avons toujours appliqué.